Yon fois encore, gros bonjour soit tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Activité a commencé dans l'aéroport Toussaint Louverture mardi 30 juin 2020 dans Port-au-Prince yon jour après Premier ministre Joseph Jout te visité espace là. Plusieurs centaines de citoyens profiteraient ouverti ça pour voyager ici en Haïti. Si c'est première fois visiter nos informations nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard Media now là. Mais avant de démarrer avec information, nous voulons remercier tout abonné nous yo, tout monde qui toujours qui ton commentaire pour nous, spécialement Magali Metelis. Nous pas perdre temps, n'a pas commencé. Coulié ya. À l'aéroport Toussaint Louverture, avion différents compagnies aériennes a prend et puis débarqué passagers qui a rentré et puis aller dans pays États-Unis. C'est première journée activité depuis gouvernement te prend décision relouvrer officiellement l'aéroport là mardi 30 juin. Yon réouverti, en pile citoyen kap vive Haïti ou à l'étranger tap tan, si nous considérer quantité moun ki présenté pour voyager dans premier journée sa. Bon Dieu grand, bon Dieu fidèle, bon Dieu réel. Ça fait ça. Oh, 5 mois dehors, oui. J'étais aux États-Unis dans un funérail depuis le 11 mars pour revenir le 17. Je suis bloqué et c'est maintenant que j'ai le privilège de gravir le sol haïtien. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux. Et très content de pouvoir et sur le sol de mon pays. Alors, vous voyez bien que j'aime Haïti malgré l'insécurité, mais j'aime mon pays. Merci. D'accord, je vous remercie. Hein. Bon, c'est là que moi, je suis en mission aux États-Unis. Je suis rentré pour finir à ma tête, moi qui mourrai. Ok? Et avec qui sentiment vous rentrez tous les jours? Bon, je suis content parce que la caille, c'est la fête. C'est la caille, moi, je suis content que la vie recommence. Parce que. Quelle période pour vous aux États-Unis? Bon, à vrai dire, c'est difficile, ouais, l'église fermée. Pas toute activité, puis le monde est fermé, surtout aux États-Unis. Il fait bien, vous comprenez? Ce n'est pas intéressant, mais nous devons traverser ces situations difficiles. Là, nous sommes contents parce que nous avons la vie à fleurir. Vous n'avez pas de vie à fleurir? Moi-même, je suis sorti. Vous n'avez pas de vie à fleurir? Yes. Est-ce que vous accompagnez de tests de dépistage de COVID? Oui, je suis. Débloqué, je me suis rendu depuis un mois d'avril, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Je suis content de continuer à continue, mettre ma semaine pour éviter les problèmes. Bon, je suis venu ici parce que je suis venu ici. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et je suis venu, je ne comprends pas comment je vais expliquer que je suis venu à la caméra. Donc, je suis tout haïtien qui a pris la diaspora. À qui sentiment je dis à rentrer dans le pays? Bon, je ne vais pas expliquer encore parce que je ne vais pas habitué à faire ça, faire tout ça d'ailleurs. Nous pensons que c'est haïtien, quelque chose, nous venons de nationalité, le papier, nous sommes haïtien. C'est pas que nous sommes de capital est qui est la caille, non? C'est tout en reprise qui vient commencer par rapport à mes prévention contre coronavirus qui est établi dans les portes là, d'après Dr Patrick Deli, responsable direction épidémiologie, laboratoire de recherche. Nous sommes capables de dire bon travail qui fait, mais satisfaction pour nous travailler toujours pour nous faire une amélioration parce qu'il y a des failles nous observer que nous avons corrigé. En moyenne, nous avons, dépendamment de la situation, nous avons par exemple 500-600 personnes qui rentrent dans la journée dans le vol. Et nous avons une capacité pour nous mettre 500-640 personnes en quarantaine. Et si nous mettons en quarantaine, chaque jour, nous sommes capables d'imaginer combien de personnes nous allons mettre en quarantaine pendant surtout 14 jours. Et combien de vols nous avons une pièce pays qui a fait ça, nous n'avons pas fait ça non plus. Maintenant, nous comptons sur appui la presse. Appuyer la presse parler, pour téléviser, pour faire sensibilisation de nous, pour bien s'annuler en participation citoyenne, pour nous respecter les consignes que nous avons. Elle dit, nous voulons revenir là, nous prenons l'adresse, nous prenons le numéro de téléphone, et nous demandons, nous avons des consignes, nous avons des consignes pour respecter, et nous avons une équipe
qui a fait appel pour moun sa pour mander comment évoluer moun sa gen obligation pour prendre température quarantaine domiciliaire tous les jours pour évaluer température ça pour nous et puis nous même pour nous reler nous ka reler un ou deux ou trois fois dans semaine mais indépendamment des feedback nous gagnons si nous la température moun sa li a évolué nous capable déplacer n'al faire des prélèvements pour lui et de bien nous faire suivre pour lui. Même Jean, docteur Deli, responsable contrôle qualité et système gestion sécurité à l'aéroport, lui clair Saint-Ilmon, quoi tout passager qui a fréquenté l'aéroport là, pas de aucun risque de contamination en dans l'espace là. Responsable contrôle qualité et gestion sécurité a rappelé ensemble Mézi qui a adopté dans ce sens. Après plusieurs réunions effectuées par le gouvernement encore, et des travaux réalisés techniquement par les autorités de l'AN, sur distanciation, marquage au sol et affiche des indications pour respecter l'initiative mesure prise par l'autorité sanitaire. Donc aujourd'hui, à notre arrivée, pour nous faire un acte de triomphe pour avion qui a privé, passagers qui a privé aujourd'hui, pour nous dire bienvenue après toute péripétie sur notre bord. Nous ne pouvons pas venir pour un réseau pour l'autre. Maintenant, aujourd'hui, nous venons, nous souhaitons bienvenue. Vin nan peyi yo, vin priye, vin nan fèt champèt yo. Pour premier jour de reprise activité yo nan aéroport Toussaint Louverti, cette compagnie aérienne déjà marqué présence.
Merci et de bonnes chances pour m'entrer. Tu dois observer 14 jours de l'état Mandéa. Oui. Oui, vous pouvez observer 14 jours. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée. Oups!